Bon et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord je voudrais vous remercier énormément pour les 1000 abonnés, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour une soirée à la ferme. Là il faut que j'aille chercher la pailleuse pour pailler sous les génisses. Allez, je vous montre tout ça en vidéo. Bon, le tracteur a mis pour pailler. Je descends parce qu'il faut que j'aille bloquer le pousse fourrage et bloquer les racleurs parce qu'ils sont mis à passer toutes les 3 heures. Parce que sinon, si les heures tombent quand je suis en train de pailler, ça va pas le faire. Il faut aussi que j'aille ouvrir le portail. Bon, c'est bon, j'ai ouvert le portail qui se trouve derrière. Il faut que je paille la boîte qui restait dans la pailleuse et mettre encore 2 autres dans le hangar là. Et il faut mettre une demi. C'est bon, j'arrête tout, la pailleuse est vide, impeccable, on va mettre une deuxième botte dedans. Là je vais aller chercher une deuxième botte avec l'Arion, l'Arion 410, je vous montre tout ça en vidéo. Bon là c'est bon, j'ai été prendre la botte, il ne reste plus qu'à la mettre dans la pailleuse et enlever les ficelles.
Bon, comme vous le voyez, j'ai chargé la deuxième botte. On va la pailler, il faudra mettre encore une autre et ça devrait être bon. Bon, et ben voilà, j'ai fini de pailler la deuxième botte qu'on a mis dans la pailleuse. Je vous ai pas montré ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il me reste plus qu'à mettre une dernière botte et après on attaquera le boulot du soir. Bon, et bien c'est bon, j'ai fini de pailler. Il reste plus qu'à faire le boulot du soir maintenant. Donc dans le boulot du soir, vous allez voir l'alimentation des génisses qui se trouve juste derrière. Donc en maïs et granulé, vous allez voir aussi les retards parce que des fois il y a des génisses qui passent pas dans le robot quand ils viennent de vêler. Et vous allez voir l'alimentation des vaches et aussi la litière des vaches, racler et remettre de la sciure, ça s'appelle, je vous montre tout ça en vidéo. Donc pour le retard, en fait j'ai noté donc sur une feuille donc 5 numéros, donc 5 vaches. Et ensuite il y a un parc qui est là, qu'il faut que je déplie et que j'aille ensuite chercher les vaches et le robot va s'occuper des traires. Et après on ira faire l'alimentation des génisses et après l'alimentation des vaches, puis les logettes. Bon voilà, j'ai mis les vaches dans le robot. Là je vais aller faire les veaux de maïs, je vous montre tout ça. Là maintenant il faut que j'aille prendre 4 seaux de maïs. Donc le tas est juste là, l'hangar là, bon ça va, c'est pas trop loin. Bon, c'est bon, les veaux ont tout ce qu'il faut. Maintenant, je vais aller mettre le maïs et ensuite on fera les logettes. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne vous montre pas les veaux de lait, parce que tout simplement on est dimanche et le dimanche soir on ne fait pas les veaux de lait, voilà. Donc pour ce qui est de l'alimentation des vaches, on a un télescope avec un godet de décideur devant. On met 2 godets le matin et 2 godets le soir. Et dans chaque godet, il y a 2 seaux de granulés et 2 seaux de maïs grain. Je vous laisse voir ça en vidéo. Bon, comme vous l'avez vu, là mon père vient de mettre un premier godet, il reste plus qu'un autre godet à mettre. Moi je m'occupe des logettes, donc racler et mettre la sciure. Donc je vous montre tout ça en vidéo. Allez, c'est parti! Qu'est-ce que la sciure? C'est juste des copeaux de bois broyés en tout petits morceaux qu'on met ça en dessous les vaches, donc là il y a les logettes, et on balance ça dessus et ce qui permet c'est d'absorber les excréments qui restent. Bon, et bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Allez, salut.